Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est à côté de la forêt du Gavre, donc ça va être une vidéo consacrée aux champignons et aux copains. Allez, générique, c'est parti. C'est bon, c'est moi qui l'ai trouvé, je m'en fous. Là c'est moi, je l'ai vu avant toi. Oh, oh là là. Oh, il est beau. Oh la vache. Oh, la merde. Attends, c'est moi qui le coupe. Attends, je vais filmer, oui, couper. Bon, vas-y, je te laisse la caméra. Et là, je suis assez fier. Quoi. Oh, oh, Graal. Oh, le Graal. Ah ouais! Bravo! Là, je dis. Ah là, je dis, là ça s'applaudit. Ah là, franchement. Et voilà le travail. Il faut l'empailler celui-là. Magnifique. Oh, il est magnifique. Oh là là. Ça, c'est beau. Alors, est-ce que il y en a peut-être d'autres autour. Regardez bien. Ouvrez les yeux. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ce champignon? Qu'est-ce qui s'est passé? Par hasard. Donne-nous un peu le mode opératoire. Quoi. J'ai tourné la tête et je l'ai vu. Le hasard, quoi. Ah bah c'est... Le hasard et peut-être un peu la connaissance du terrain, non ? Pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu les filles qui partaient sur le grand chemin, et là, je me suis dit, ok, je vais aller prendre le même chemin, mais en parallèle. Donc un chemin de traverse. Mais je très bien. Comment, plafond c'est bas, cep de Bordeaux, il y aura. Et peut-être, oui. Parce que on est un peu en... Dès que vous avez les genoux fléchis... Je me rattrape de ce matin, hein, quand même. Ah, il est beau. Un joli panier. Oh la vache. Un joli panier automnal. Ouais. Il y en a encore un petit là-bas. Ah oui, là, là il y en a où ça? Il y en a partout. Là, j'en ai trouvé deux tout à l'heure. Là. Oh là, là, c'est dingo. Là, j'ai trouvé, regarde, c'est ceux-là. Ces deux-là. Superbe. Ça, c'est moi. Ça se prend. Prends tout. Prends le couteau. Allez. Donne-moi le couteau. Le couteau. Alors là, ça attaque de tous les côtés. Ah, il y en a partout. Attends, je pose le truc. Le pied s'est cassé. Ah, c'est pas grave. Mais il est beau. Il est un peu visqueux. Honnêtement, c'est un truc de dingue. C'est vrai, hein. Il est un peu visqueux. C'est un truc de fou. Hein. Fin octobre ensoleillé, champignons à tes pieds. Ouais, pas mal. Avec tous tes champignons, là, si tu les revends à Nantes, c'est mieux qu'un geek sur les bateaux mouches, hein, t'as gagné ta journée avec ça. Ah bah tu m'étonnes, à 40 euros le kilo, bah oui. Là, tranquille. On va faire combien? 4 kilos, là. Voilà, tu vends ça chez Biocorp, t'es tranquille. En une heure. Voilà. Délire. Allez, c'est reparti. Mais arrêtez, vous marchez sur des chanterelles. Plein, non, il y en a deux. Parfait. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Pour une fois que j'ai pas de quelqu'un, ça fait du bien. Alors, ouais, bien. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Je m'appelle Augustine. Je sais, je rigole. Et toi, Clémence, t'es abonnée? Ah oui, bon.
Ça c'est incroyable, hein. Les petits violets en fait, t'en trouves un. Et puis tu te concentres, tu regardes autour, et ben, y en a plein. Quoi. Ça c'est dingue. Qu'est-ce que ça va être violets, bon. Là. Ah bah il y en a encore d'autres là, bah il y en a plein partout. Bah oui là. Oh là là là. Vive la fête du rôti de porc. Ah, je l'ai loupé. Vive la fête du rôti de porc. De manger. Allez, c'est parti pour la cuisson de la châtaigne. Alors, bilan de cette fête du rôti de porc, ça s'est bien passé? Ouais, tout le monde est content. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Vous n'oubliez pas les comme ça. Voilà, abonnez-vous. Ah, il n'y a que des abonnés au voyage d'Auguste ici, hein. Allez, on s'abonne. Allez, on se rejoint dans la prochaine vidéo. Auguste, le voyage du rôti de porc. Skoda Tour, hein. Vous oubliez pas de vous abonner à Skoda Tour. Champignouf. Champignouf, une famille en Thaïlande. La butte microferme là-bas. On s'abonne. Et donc on se rejoint dans une prochaine vidéo. On sera dans les Côtes d'Armor, dans le 22, à Erquy. Entre Erquy et Bréa. Voilà. Allez.